Dans cette vidéo, les meilleurs fast-food de France sont réunis sur la table. Toute la famille a faim. Seulement ceux qui réussissent le défi auront le droit de taper un croc. C'est parti. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de toute la familia. Ouais. Ça y est. Aujourd'hui, méga défi bouffe, les amis. J'ai ramené la meilleure table de France de bouffe que j'ai trouvée. Le premier qui mange quelque chose sur la table a perdu, évidemment. Il y aura énormément de défis. Je vais vous présenter la table. C'est parti. On commence directement avec une méga assiette avec un tacos gratiné avec des frites. Il y a les frites à côté du tacos alors qu'il y a des frites dans le tacos. Ça a l'air trop appétissant. On passe directement au sucré. Nous avons des crêpes Waouh. Nous avons des barres de céréales Oreo. C'est une dinguerie. Et là, les amis, le plat principal, nous avons des burgers. Donc, trois gros burgers. Ça a l'air incroyable. Nous avons aussi un croque-monsieur avec des frites, une méga poutine. Poutine là, les amis, je vous dis, elle est faite avec le cœur, elle est faite avec l'amour. Elle a l'air incroyable. Nous avons aussi des tenders, des poulets et des nems. Et bien évidemment, on pouvait pas faire un défi bouffe sans sucré. Nous avons, regardez-moi ça, des méga pâtisseries. C'est un cookie géant, on dirait une planète Terre. Nous avons des pâtisseries au chocolat blanc, au chocolat noir, ça va être incroyable. Et des bonbons. Oui, Sophia. Younes, s'il voit tout ça, il va devenir fou. Appelez-le pas, on l'appelle pas. Non, on l'appelle pas. Mais si, faut l'appeler. Younes. Ça fait 10 jours. Wallah, j'ai pas mangé un fast-food. On est malade mental, mais vous êtes des fous. Assis-toi. T'as pas entendu la meilleure. C'est quoi la vidéo? Quoi? Le premier qui mange hyper cher. Je vais manger aujourd'hui. Je sais pas, j'ai en train de faire une crise d'épilepsie. Aide-moi, Sophia. Calme-toi. En plus, je sais pas si t'as remarqué. T'as vu tous les dessins qu'on a ramenés aujourd'hui? Je vois que tu les as pas trop bien vus. Derrière. Calme-toi, il va perdre. Calme-toi. Pour le premier défi, je vais poser une question. Le premier qui a donné la bonne réponse a le droit à un croc dans ce qu'il veut. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Dans quel fast-food retrouve-t-on de la sauce fromagère? Younes. Ah, vous avez levé la main alors qu'il fallait buzzer il y a 2 heures. La sauce fromagère, bien évidemment, pas dans les pizzas, mais c'est dans les tacos. Oh là, tu choisis ce que tu veux, mon gars. Oh mon dieu. Alors là, on va taper un croc, non pas dans le tacos, mais on va s'attaquer au petit croque-monsieur. On va le croquer. C'est un croque-monsieur. C'est quoi au milieu le petit rond de plaisir? T'as un camembert. Tu penses que mon croc il peut aller jusqu'à là? Moi, je pense, la vérité, je pense que mon croc il peut aller jusqu'à là. Ouh, je savais, merci. Je connais. Mais wesh, on va jamais le goûter, voilà, on n'aura pas goûté, ça c'est pas grave. Vous l'avez appelé, moi je vous avais dit qu'il fallait pas l'appeler. Je me nerve. Star for love. Je me nerve du début à la fin. Deuxième question. T'as pas le droit. Citez-moi une pâtisserie. Sofiane. Oui. Un éclair au chocolat. C'est gagné. T'as un croc dans ce que tu veux. Depuis tout à l'heure, je voyais deux burgers, mais je sais pas c'est lequel qui m'intéresse le plus. Donc qu'est-ce que vous me conseillez, les amis? Pourquoi pas faire la plouf? Celui-là, il est beau. Plouf, plouf, une boule en or à 10, et toi au bout de 3, 1, 2, 3. Ce sera toi. Non, les burgers savoyards, je le reconnais. Là, il est bon. Oh, bismillah. Waouh, il a jeté, il a fait pipi sur mon burger. Regardez ici, il a fait pipi. Viens voir. Regardez s'il a fait pipi du fromage. Bien soigné. Troisième question. Témoin, un footballeur qui est de Madrid. Omar. Yes, Valverde. C'est gagné. Il est malade, les gars, il est malade. Oh, le burger. Qu'est-ce qu'il t'arrive? T'as pas dit bismillah toi aussi? Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, quand vous oubliez de dire bismillah, faut dire bismillah du début à la fin. Bismillah fl'oli ou l'akhil en arabe. Et dernière question, les amis. Citez-moi un burger que l'on retrouve au Quick. Myriam. Le Longfish. C'est gagné. Oui. Pâtisserie. Oh, vrai, pâtisserie. Y a un tacos. Non, Myriam, il est tout neuf. Il est tout neuf. Bismillah, oublie pas. Myriam, on peut faire un grand duo? Ouais. Elle l'a désossé. Oh là là, c'est au poulet pomme de terre. Oh là là, c'est au poulet pomme de terre, les gars. Oh mon dieu, c'est émancipant. T'as pas le T'as pas répondu. Ok les amis, nous allons passer au deuxième défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir tout simplement faire deviner un footballeur à tout le monde. Bien évidemment, vous n'avez pas le droit de tricher, vous devez tout jouer le jeu. Le premier qui devine le footballeur, et bah celui qui fait deviner, il a le croc. Alors pour commencer, vous allez faire Aladelidelo. Aladelidelo. Pourquoi vous faites ça? Aladelidelo. Ok de deux. Aladelidelo. Ok de deux. Aladelidelo. Oh, Sofiane, il commence. Celui qui devine après fera la suite. Ok, c'est parti, Sofiane. Myriam. Ronaldo. Pourquoi j'ai interrogé Myriam? Parce que c'est la seule qui a pas fait la sauvage. Pardon, elle a crié. Ronaldo, ils sont debout. Je suis assis, j'ai fait ça. Je fais ça. Myriam, t'as un croc et Myriam, tu as préparé à faire ton joueur. Le sucré. Ah non, je suis désolé, mais là, le salé, c'est trop intéressant. Il veut faire du salé encore. Doucement. Déjà, tout à l'heure, tu l'as tué. Il y a une opportunité vers ses côtés, tu le vois. Ouais, le croc magique. Merci, mais merde.
Oh là là, professeur folle, non, il a tout croqué. Il s'étouffe. Recrache pas, sinon tu t'es éliminé de la vidéo. T'es éliminé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un sopalin? J'en mets partout, c'est trop délicieux. Tu peux aller reprendre ta place, Sofiane. Des amis, je viens de manger le savoyard. Un savoyard? C'est extraordinaire. Le savoyard, c'est du fromage. C'est extraordinaire. Décris-moi le fromage, s'il te plaît. J'ai envie. Il pue le fromage, un il peu, est bon. En fait, il pue, mais tu connais, je sais pas si tu connais le théorème des fromages. Plus ça plus pue, plus c'est bon. Je connais. Donc là, dis-toi, tu vois, en termes de puanteur, c'est un 8 sur 10. Il faut absolument que je le goûte. Ok, Myriam, c'est parti. Omar, Kylian Mbappé, c'est gagné. Myriam, t'as ton croc dans ce que tu veux. Le sucré, le sucré, le sucré, le sucré. Comme on dit, le meilleur pour la. C'est pas les premiers mélanges, tu fais juste un croc. Là, on a dit un croc. Non, mais j'ai le droit, Yassine, il a dit un croc. J'ai le droit, Yassine. Non, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Non, Myriam, c'est pas bien, mais je l'avais commandé pour moi. Ok, Poutine, c'est parti. Bismillah. Non, croc normalement, s'il te plaît, pour tes ennemis. Arrête! T'as le droit, t'as le. Waouh! Ça, c'est un gros, ça y est! Bon crash! Trop, mais t'as pris coup de chien d'art! Elle va s'étouffer! On a un mort sur la console! Appelez les pompiers! Allez, c'est parti! Omar, tu fais ta célébration ou tu fais ce que ton joueur? Younes, Belling, Gab! C'est gagné! Ouais, bien joué! Omar, tu as un croc et Younes, tu vas pouvoir faire ta célébration! C'est bon, ma calme. Non, c'est Omar! Ah, lui aussi! Toi aussi, tu manges la poutine! Ouais! Explique, Myriam, comment on fait. Déjà, on redresse bien tout. Tu prends, tu t'arrêtes pas. Quand la courgette, elle a dit t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas. Elle a dit stop! Elle a pas dit stop! Je l'ai entendu, elle a dit stop! Elle a dit stop! Mmh. Elle a dit stop! Ça y est! Tu consommes, toi! On a fait 3 coups, y'a plus de table. C'est vrai ça, c'est trop. Personne n'a touché à ça là. Les gars, la poutine et le fromage plus le bacon, ça fait un incroyable. Attendez, on m'appelle, je pense que c'est ma deuxième commande. C'est parti quand tu veux. Wow. Myriam, elle a besoin en avant. Neymar. Non, Andrei Di Maria. Oui, c'est gagné. Younes, t'as ton croc. Elle m'a donné envie. Je crois qu'elle m'a donné tacos. Non, mais t'as tu peux pas le croc magique. Hein, déjà le croc magique. Non, moi si je peux te conseiller une partie, ouais. C'est peut-être n'importe quoi. Hein. Mais là, il y a vraiment un gros amas de viande ici. Oh là, les plaisirs de la vie. Tu mérites, Younes, tu mérites. Wow. Il a bien tenu sa diète, il est tout sec. Là, je touche, il y a des abdos. Machallah. C'est bien, je suis heureux. Ce tacos est vraiment trop doux. La viande est bonne, les pommes de terre sont bonnes. Il n'y a pas de sauce fromagère, il y a une sauce agrémentée de puanteur comme tout à l'heure. La puanteur, plus ça pue, plus c'est bon. On va passer à l'épreuve numéro 3. À chaque fois, on a des remarques. Oui, c'est bien de manger, c'est bien de se faire plaisir, mais il faut faire du sport, il faut faire de l'exercice. C'est pour ça que la troisième épreuve, ça va être une épreuve physique. Non. Celui qui rate l'épreuve physique ne pourra pas avoir de croc. Celui qui réussit un croc. On va commencer par Myriam, la plus petite. Tu vas devoir réaliser 10 pompes. Wow. Vrais pompes. Ok. C'est parti, allez. 1, 2, 3. Je pense pas qu'elle va réussir à aller à 10. 3, 4, 5. Il t'en reste 5. Allez, Mimi. 6. Elle va le faire. Il te reste 4, 7, plus que 3. Ah, c'est pas des pompes, Samira. Je suis désolé, je peux pas l'accepter. Une dernière, peut-être pour voir si tu vas réussir à faire une vraie pompe. Vas-y, descends bien. Ok, ça passe. 7. Malheureusement, je ne peux pas valider le défi, les amis. C'est un échec pour Myriam. Ça passera pas. Ça se fait pas, là, ça a touché ma faiblesse. Le sport, c'est ta faiblesse. Non, les pompes, c'est ma faiblesse. Tu m'aurais dit de faire une heure de gainage, je l'aurais fait. Omar, tu peux venir. Tu vas faire du gainage. Tu vas devoir tenir 30 secondes de gainage. Et bien évidemment, dans les 30 secondes, on va à chaque fois rajouter des difficultés. Allez, tu commences, mets-toi en position de gainage. C'est parti. Let's go. Faut bien avoir le dos droit parce que si on n'a pas le dos droit, ça passera pas. Pour l'instant, il est bien. T'as 10 secondes à tenir normal. T'inquiète pas, ça va être tranquille. Et après, bien évidemment, on va rajouter de la difficulté. Les amis, on est à 10 secondes. On rajoute de la difficulté. Bismillah. Ok, ça va. Ok. Ok, je me lève. Il te reste 10 secondes à tenir. 10, 9, 8, 7. Lève tes fesses. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est gagné. Une échelle de 1 à 10, la difficulté de l'épreuve. 7. 7 sur 10 quand même, ouais. T'as bien ressenti quand même. J'ai ressenti. Et bah je veux un bon croc à 7 sur 10 aussi. T'as plaisir, bismillah. Ce qui peut t'attendre, t'as le tacos, t'as les burgers, t'as les pâtisseries qui n'ont pas été entamées. Burger qui a pas été touché, je sais pas si vous l'avez remarqué. Ah ouais, c'est vrai. Un petit steak. Tu sais, ce burger là, je vais t'expliquer un truc. Ce burger là, c'est un burger un croc. C'est-à-dire, c'est pour un croc ça en fait. Je peux pas le finir en un croc. J'ai pas envie de finir celui là. Waouh, il y a un croc magique là, regarde, il y a de la sauce. Ouais, il y a un croc magique. Bismillah. Fais ton plaisir. En fait, c'est un burger, il y a énormément de sauce. On voit qu'ils sont généreux en sauce. On voit que la viande, elle est tendre. On voit qu'il y a de la sauce fromagère, de la sauce crème fraîche, il y a du cheddar, ça se mélange. C'est incroyable. On va passer au défi de Sofiane. Non.
Alors Sofiane, ça va être simple. Tu vas devoir mettre des patates dans le vent pendant une minute, mais à chaque fois, je vais te rajouter des règles. Non. Ok. Donc là, ça commence tranquille. Patate tranquille. Ok, tranquille. Maintenant au maximum. Au maximum, accélère. Accélère. Ok. Talons fesses en même temps. Talons fesses en même temps. Accélère, 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 accélère. 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 Ok, squat, 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 squat. 3 squats. 2, 3. Patate, accélère, 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 accélère le plus possible. Hypercute, accélère, hypercute, accélère. Et top. T'es gagné les amis pour Sofiane. Tu vas pouvoir avoir ton pro. Yassine, félicitations. Arrête, t'es entraînement de fou là. Ah, il faut faire des amis chez vous. Faites du sport, c'est important. Ne mangez pas que des tacos, que des grecs, que des pizzas. Le sport, c'est au moins 30 minutes par jour au moins. Faut te faire plaisir. Tu as du sucré, tu as des burgers, tu as un croque monsieur. Ah oui, les wings, on n'a pas désossé les wings. C'est quoi cette sauce? C'est une sauce piment, pimentée, comme les wings. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est des nems. On a un nems? Tu peux prendre un nems. Oh lolo lolo lolo. En intro. Il a fini ça en intro, les amis. Ça fait plaisir. Tu vois, on se coûte trop et tout comme ça. On va tout sur les burgers, les tacos, mais voilà que le nem. C'est incroyable. De 1 à 10, tu lui mets combien au nem? 9 sur 10. Il est incroyable. On l'apprête pour un deuxième. Je rigole. Autour de Younes. Ouah, mais tu fais une épreuve physique pour Younes. Tu sais très bien, lui, on peut lui demander de soulever la tour Eiffel. Il va le faire pour la nourriture. L'épreuve de Younes, elle va être simple. Lâche-moi. Écoute, laisse-moi dire ma phrase. Je charge mon poing. Recule, recule, recule. Recule, il va partir. Sauf Omar à manger en cachette. Quoi? Il mange en cachette. C'est une blague. Oh, voilà. Une punition, Yacine. C'est une blague, vous deux. Une punition adéquate. Quoi? Ok, vous allez au coin. À quel moment j'ai mangé? Toi, tu vas dans ce coin-là. Vas-y, mets-toi au coin. Moi, j'ai la punition, c'est pas dans ce coin. Va dans ce coin-là. Hey, hey, écoute, va dans ce coin-là. Au coin. Normalement, la punition, c'est moi. Younes, on fait un coup. C'est moi le boss. Au coin. Au coin, vous bougez pas du coin jusqu'à nouvel ordre. Younes, tu vas devoir réaliser 5 pompes à une main d'affilée. Après, je pourrais manger ce que je veux. Après, tu pourras faire un croc dans ce que tu veux. Par contre, j'ai un truc à vous dire. Vous devez vous dire, ouais, c'est des sauvages, ils font des crocs bizarres. En fait, c'est peut-être notre seul et dernier croc de la vidéo. Donc, si on fait des gros crocs, parce qu'on veut pas regretter après. On s'en fiche du regard des gens, fais ce qu'on veut, c'est bon, fais tes pompes. Waouh, waouh! 5 pompes à une main, allez! Est-ce qu'il va réussir? 1, 2, 3, 4 et 5! Tu vas manger quoi, Younes? Le Nems? Je sais pas. Le sucré? Regardez celui-là. Regardez-moi ça. Est-ce que celui-là, j'aurais pu le manger? Il y a 5-10 ans, je l'aurais tabassé. Je l'aurais écartelé. Pour ma part, nous avons ici Hamid. Depuis tout à l'heure, il me regarde de travers. Regardez comment il est blé. Los pollos hermanos. Waouh. Mais regardez-moi ça. T'as pas le droit à deuxième. Stop, stop, t'as pas le droit à deuxième croc. Ok, Sofiane va te rasseoir. Vous restez là. On va entamer la punition de Omar et de Myriam. Vous avez voulu manger en cachette. Vous allez voir ce qui va se passer. Les amis, vous avez 15 secondes pour taper tout ce que vous voulez à partir de maintenant. Waouh. Il faut qu'on s'organise bien. Il y a quoi qui te fait plaisir? Moi, les burgers et les nems, j'ai bien aimé. Okay, je vais te laisser les burgers. Moi, on rapproche un peu la poutine. Ok, Myriam et Omar, vous allez devoir vous mettre derrière et vous regarder. Je veux bien que vous regardez avec vos gros yeux. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 15 secondes. À partir de maintenant, Omar, t'as pas le droit, Omar, t'as pas le droit. Ok, pour l'instant, il tape le burger. Pour l'instant, il tape. Oh, on dirait le film La Plateforme, ceux qui l'ont vu. Mais lui, ils sont en train de se faire plaisir. Le tacos. Il reste 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top. C'est terminé. Vous pouvez reprendre votre place, Myriam et Omar. C'est parti, reprenez votre place. Est-ce que vous avez envie de tricher encore ou pas? Ok, bah ça va alors. Pour se rattraper, bien évidemment, Omar et Myriam, ils sont un peu frustrés. Vous allez vous concerter à deux pour faire le meilleur mélange possible sur la table et imaginable. Et vous avez le droit à un croc chacun dans ce mélange-là. Je te propose qu'on mélange toute la table. Non, David, c'est pas des jeux stratégiques. Un peu de Thunder. C'est ce que j'allais dire. Un peu de frites cheddar bacon dans un burger. Avec la viande là-bas. Non. Mais si. Trop, c'est trop. Juste. Allez, c'est parti. Il faut le faire maintenant, le mélange. Let's go. Myriam, elle a pris un Thunder. Omar, tu prends quoi? Ok. Dernier ingrédient, du cheddar. Ok, c'est parfait, ça fait plaisir. Voilà. Ok. C'est qui goûte en premier? C'est pas Myriam, du coup, elle va goûter en première. Tu peux dire un truc? Oui. J'ai le droit de autant manger du vomi. Ah ouais? C'est quoi ce mélange? C'est un mélange, ça se fait, ça a l'air pas mal. Ça donne envie, ça? Ouais, ça donne envie. Oh lolo. Ça, c'est une gamme. Un plaisir partagé. Ouais, mais Smiley, qu'est-ce que tu as? Un plaisir. Garde ce que t'as dans la bouche, garde. Allez, Omar, tu vas manger le reste. Allez, Omar, tu te fais plaisir. Allez, la gamme. Allez, la gamme. Dans leur bouche. Il est choqué. On va enfin passer à l'épreuve finale. J'ai vu que depuis le début, les amis, ce plateau n'a pas été touché. Les pâtisseries, le sucré, le meilleur pour la fin. On va tout simplement faire un défi. Ils vont tous devoir me citer une sauce. Le dernier qui gagne et qui arrive à citer sa sauce remporte toutes les pâtisseries pour lui tout seul. C'est parti. Ok, vous allez devoir citer une sauce. On commence par Omar, c'est parti. On a une sauce Biggie. Mayonnaise. Algérienne. Samouraï. Burger. Sauce Brésil. Barbecue. Sauce chinoise. Sauce barbecue. Déjà dit, éliminé. Autour de Sofiane. Ketchup. J'ai dit aussi. Non. Si, Myriam, elle l'a dit. On l'a dit au début. Éliminé.
éliminé en finale entre Younes et moi. Sauce harissa. On l'a déjà dit. Il a déjà dit. Si. C'est toi qui l'a dit. C'est toi qui l'a dit. Victoire de Younes. Prends ta pâtisserie. Oh mon Dieu. Donc là, on a un chocolat blanc beignet. T'as le béni, qu'est-ce qu'il a l'air extraordinaire. Qu'est-ce qui vous fait plaisir en vrai? T'as le béni, qu'est-ce qu'il a l'air extraordinaire. Non, non, attendez. Si tu veux faire du mal à Méliem, c'est ça ou ça. Si tu veux faire du mal à Omar, j'aimerais lui faire un mal, c'est ça. Si tu croques dans ça, je te jure, tu le tues. Là, tu vois, tu croques dans ça. Bon, là, tu lui détruis ça. Dans ces derniers moments, je t'aime pas. Non, 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 s'il te plaît, Younes. Arrête, s'il te plaît. Non, 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 pitié, non, arrête. Arrête, très bon choix. Moi les gars, moi j'en voulais pas, donc ça va concrètement. Ok les gars, vu que j'ai gagné, je vous laisse une deuxième manche pour tenter de remporter un croc dans un gâteau. Voilà. Vous allez devoir me citer une boisson. C'est parti, Sofiane. Selecto. Gazouz. Franchement, Orangina, j'aime bien. Gazouz, un peu de limonade. Chose, gazouz et limonade. Non. Si, c'est tout. Pareil. Gazouz, c'est limonade en arabe. Quoi? Final. Ah. Aïssi, Miranda, Oasis. Oasis, je l'ai déjà dit. C'est gagné pour Omar. C'est gagné pour Omar. Il va pouvoir se venger. Il va prendre quoi? Le méga petit Kinder Bueno. Là, il stop. Qu'est-ce qu'il fait? Il repose. Oh là là, il fait exprès. Oh là, il fait exprès. Il savait très bien que c'était ce que je voulais. Moi, ici, c'est le seul truc qui donne grave envie. Oh là là, c'est toujours éteindre. Moi, je veux participer à ce moment avec toi. Ah, c'est toi, peut-être. Là, après, c'est une. Ça se voit à deux. Non, pas celui-là. Prends le blanc. Le blanc, stop. Fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Allez, le blanc. Ouais. Non, mais en fait, je veux foutre la haine à Sofiane. Je vois, c'est pas celui-là que je voulais. Yes! Regardez, il a l'air il y a un duo de chocolat, les gars, il y a chocolat vanille. Ah, mais c'est un Kinder Bueno! Oh là. 8 sur 10. Bon, ça y est, les amis, j'en ai marre là, ça me donne trop envie. Tout le monde a faim, tout le monde est désespéré. Là, les gars, celui qui gagne cette épreuve remporte toute la table. Vous allez réaliser un bottle flip challenge, chacun votre tour. Avec la sauce algérienne? Non, avec une bouteille de. Le premier qui réussit le bottle flip remporte tous les ingrédients de la table. Ok, c'est parti. Allez, Méliem, y a pas droit de réponse, Myriam. Si tu le mets, c'est fini. Fort, fort, fort. Ah, c'est pas assez fort ça. Ok. Thomas, aïe, aïe, c'est pas assez fort, Sofiane, mets de la puissance. Oh, juste toi, DJ. Yes. Plus de puissance. Oh, Thomas, il a pas de force. Oh, il a le droit, il a le droit, il a le droit, il a le droit, c'est une technique. Oh, oh, il y avait le mouchoir. C'est gagné. Younes qui remporte toute la table. Oh, tu veux pas de lait, tu veux pas de lait, tu veux pas de lait. Non, je veux rien. Oh. Juste fermez votre bouche et laissez-moi manger. On va commencer par des petits mèmes. Vous devez tous regarder, bien évidemment. Oh, regardez, il y a du bon. Poulet. Incroyable. J'ai goûté, ils sont extraordinaires. Enfin. Arrête, personne a goûté les wins. C'est vrai. Si, Younes, il les a goûtés. Ils sont bons. Les gars, le poulet c'est la vie. Moi, vous savez très bien que moi, j'aime trop ça. On a du chocolat. Celui-là, il me donnait trop envie. Chocolat blanc. Ça a la noix de coco. Du chocolat blanc. Et encore, il y a de la chantilly. C'est vraiment super bon. Younes, tu m'autorises à taper quelque non, chose? Non, vous tapez rien. La dernière fois, je t'ai qualifié. Teste la poutine aussi. Tu te tais, tu me laisses manger. Regardez-moi ça. Oh là là, il est fourré. Mmh. Oh là là. Ça, il calme lui là, il croit que c'est la braderie. C'est combien de temps le tout manger? Il a fini. Tout c'est fini. Vous pouvez partir, vous pouvez partir. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, hein. Félicitations quand même, vous avez mangé un petit peu. Ah là 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 là, les gars, c'est mon rêve qui se réalise. Tu peux faire ce que tu veux, c'est pas grave, moi j'ai de la bouffe. Putain, mais Younes, je vais pas réussir à manger tout ça quand même. Myriam, tu veux bien m'aider? Tiens. Ouais, vas-y, mais. Brocoli. Mais tiens, c'est bon les légumes, arrête. On va essayer le spéculoos. Attends, je vais te conseiller un truc. Et moi, je vais essayer le beignet au chocolat. Vous faites quoi, les gars? Les gars, vous faites quoi? Mais c'est Younes qui a gagné. Vous faites quoi alors? Oh les gars, ça commence à partir en cacahuète, les amis. Frère, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner, les gars, je vais essayer de les séparer parce que là, on prend tout. Reposez ça, Younes, les gars. Allez, salam, les gars. Ciao. Hey, mais c'est toujours pareil dans cette famille, c'est moi qui ai gagné pour une fois, ils ont pris tous mes miens.